tous, très contente de vous retrouver ce matin et aujourd'hui à nouveau pour défendre le recyclage. On y va? Pour ce projet, il vous faudra un vieux pull, de la ouate, un ruban satiné très fin, du fil et de l'aiguille. Coupez un rectangle, 40 cm sur 26. Coupez 8 morceaux, 16 cm sur 11. Ce tutoriel, je vais le faire sans machine à coudre. Endroit sur endroit, ou plié, je vais coudre à la main, de là à là et de là à là, en laissant une petite ouverture. Enfilez votre fil double, faites un nœud à l'extrémité, ça c'est très important, et coudre en prenant à peu près 5 mm. Faites des points bien serrés, arrivez au début de l'ouverture, coupez le fil, refaites encore un nœud et faites la même chose pour ce côté. Pareil, je démarre avec plusieurs points au même endroit. Je fais mes points bien serrés. Et pareil, arrivé à l'extrémité, vous faites double point, voire trois. N'oubliez pas de faire votre nœud, c'est-à-dire vous rentrez l'aiguille dans la boucle et vous serrez. Vous refaites une deuxième, pour plus de précaution, l'aiguille dans la boucle et vous serrez. Et vous faites toute la pile de cette façon. Vous allez donc avoir ce résultat, une ouverture ici et ici, et celle qu'on a laissée volontairement. La couture que vous avez là, la positionnez d'une façon à l'avoir au milieu. Toujours doubler votre fil, un nœud à l'extrémité, coudre le milieu avec le milieu par un point, faites même plusieurs points, et ramenez maintenant ce milieu ici et celui-là ici et maintenez par des points et vous allez maintenir toute cette partie en serrant bien vos points. N'hésitez pas, faites plusieurs points et serrez d'une façon à ramener le maximum de matière au milieu. Au final, ça va vous donner ça et faites la même chose pour ce côté. Retournez sur l'endroit, remplir chaque pièce avec de la ouate, mettez une quantité suffisante pour avoir de jolies boules et remplissez toutes les autres et assurez-vous d'avoir mis la même quantité pour chacune. Fermez toutes les ouvertures, toujours avec des points bien serrés et appliquez-vous pour que la couture ne soit pas visible. Mettez les 8 boules de côté. Prendre le rectangle que vous aviez coupé au début, plier endroit sur endroit et sur la longueur. Faites la même chose pour la bande, coudre de là à là, laissez une ouverture et reprendre la couture d'ici jusqu'ici. Et vous allez procéder exactement de la même façon que vous avez fait vos petits rectangles. Vous allez avoir le même résultat que les petites, c'est-à-dire les deux ouvertures aux extrémités. Et l'ouverture que nous avons volontairement laissée. Coupez 2 fois 50 cm dans un ruban fin. Mettez le ruban à l'intérieur, laissez dépasser de 2-3 cm. Cette couture, la mettre au milieu. Fixez le ruban par plusieurs points et procédez de la même façon que les boules, c'est-à-dire plier de cette façon. Maintenir par plusieurs points, coudre ici et ici. Et à partir de là, vous allez faire exactement comme vous avez fait pour le petit rectangle. Exactement la même chose. Vous avez cousu et fixé un côté et vous faites la même chose pour l'autre côté. Retournez sur l'endroit et fermez la petite ouverture. Nous allons finaliser notre ouvrage en assemblant le tout. 4 boules côté droit et 4 côté gauche. Enfilez le ruban, traversez de bout en bout. Repassez en faisant un tout petit point. Repassez dans la boucle et serrez. Ça vous fera un nœud. Faites attention de ne pas avoir de jeu ici.
Positionnez bien la boule. Poursuivez en enfilant la deuxième de la même façon. Piquez au milieu de la boule. Traversez. Serrez bien les boules entre elles. Vous faites la même chose. Vous repiquez à nouveau au milieu. Vous allez avoir donc cette boucle. Rapprochez la deuxième boule au maximum. Entrez votre aiguille dans la boucle. Serrez et ça vous fera un nœud. Placez la troisième de la même façon. Quant à la dernière boule, mesurez 12 cm, une épingle, faites un nœud, un deuxième nœud, serrez bien fort et après retirez votre épingle. Réenfilez l'aiguille et enfilez la dernière boule. Faites pareil, un dernier nœud pour sécuriser le tout. Coupez l'excédent en laissant à peu près 1 cm et brûlez le bout afin qu'il ne s'effiloche pas. Que vous pourrez régler autour de votre cou sans problème. Réalisez le vôtre et pourquoi pas pour une petite fille. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous!